Eh bien salut tout le monde, c'est Max769 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, j'allais dire un nouveau let's play, une vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare comme vous l'avez peut-être remarqué. Donc là aujourd'hui on est le jour de la sortie, pour ceux qui l'ont réservé, enfin même ceux qui l'ont pas réservé peuvent quand même aller chercher. Donc j'ai l'édition Day Zero avec quelques armes et exosquelettes en plus. Je crois que j'ai deux armes et deux exosquelettes en plus, bah c'est marqué là en fait, j'ai tout ça. Et tout ça en plus avec l'édition Day Zero. Donc vous l'aurez sûrement, sauf ceux qui l'achèteront sûrement pour Noël ou quelque chose dans le genre. Donc je n'ai pas encore joué au jeu. J'ai lancé le jeu, j'ai fait la mise à jour et je me suis créé une classe. Et même la classe, j'ai regardé quand même, j'hésitais à aller regarder. Parce que je me suis dit, ouais avant dans les Call of, fallait monter au moins, je crois niveau 5. Pour créer une classe, mais là bah non, j'ai créé des classes, donc j'ai créé trois classes. Donc une au fusil d'assaut, une à mitraillette, une au sniper. On va essayer de changer, de voir tout ça. Je sais pas ce que c'est. Ça, je crois que c'est un fusil à pompe. Oui, voilà, c'est un fusil à pompe. Je pense pas qu'on va essayer le fusil à pompe. On va essayer l'arme lourde. Je crois que c'est une arme laser. Je sais pas, rayon constant d'énergie dirigée. Je crois que c'est. On va prendre celle-là. Oui, je crois que c'est le laser. On va essayer quand même. Donc, on peut créer 10 classes. Ah, bah oui, comme avant. Enfin, je pense qu'il faut débloquer les prestiges. Enfin, bref, on va lancer une partie. C'est quoi ça, avantage? Capturer tous les drapeaux pour gagner à tuer les ennemis, pour améliorer votre avantage et capturer les drapeaux plus vite. Ah, ça, c'est l'espèce de truc du foot là. Enfin, du hand. Faut lancer un ballon chelou. On va faire une domination classique, comme ça on aura un peu le temps de tester un peu toutes les armes. Donc j'en suis sûr qu'avec le double XP d'aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui sont déjà prestige. Est-ce que l'exo vous permet d'esquiver dans les airs? Donc je n'ai pas joué, c'est la première fois que j'ai joué. Sans faire exprès, j'ai fait essayer l'arme, je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, j'ai juste essayé l'arme dans une espèce de camp d'entraînement chelou quand je faisais ma classe, et ça a été direct quoi, il n'y a même pas eu un seul temps de chargement. J'ai fait option essayer l'arme, hop, ça m'a lancé direct dans le truc et j'ai fait option et ça a quitté direct, aucun temps de chargement. En tout cas, si le jeu est comme l'image là, il a l'air grave beau. En attendant d'autres jeux, ah, il y a du son, on voit. Oh là, putain, c'est fort dans mon casque. Hop. Domination. Eh, y a le logo de Ghost, what the fuck. Ah merde. Oh putain la vache. Non mais j'arrive, je me fais agresser quoi. Greu. Ah la vache, putain. Ok, on va essayer de pas de rager dès le début du jeu, sinon ça va mal se passer. Présent de courir. Ah mais je n'ai pas changé ma sensi. Ok, moyenne, on va essayer 5. Ça a l'air déjà un peu mieux. C'est juste horrible. Drone de reconnaissance déployé. Ok, la partie va bientôt se finir. Eh, mais j'ai tiré sur le mec. Ah non, c'est à mi-temps, ça va. Ok, donc il a une prise en main assez chelou. Déjà. Juste le double saut et tout. Pour ceux qui ont joué à Titanfall, je pense qu'ils ont à peu près l'habitude, mais... comme je n'ai pas joué à Titanfall, je n'ai pas la Xbox One et j'ai pas acheté sur PC. Domination. Il est sur Xbox 360. Bah, voilà. En tout cas, le jeu est juste magnifique. Le double XP, ça... Wouah. Attends, on va. Voilà. Ouah. Ok. Ok, je les ai eu parce qu'il m'avait pas vu. Oh merde, putain. Ok, il y a juste 3 mecs à côté de moi. Ah putain, mais c'est génial le saut. Bon, j'arrive pas trop à me diriger en l'air.
On dit qu'on pouvait se diriger en l'air, mais je sais pas comment il se dirige. Je crois qu'il y a un mec là-bas. Ok, il y a un mec là. What? C'est quoi que j'ai eu dans la gueule? L'ennemi s'empare de Charlie. L'ennemi s'empare de C. Ok, assistance. Wouah! On a perdu C. Oh, on va perdre D. On a perdu B. Je pense pas qu'on puisse aller par là. Notre drone est activé. L'ennemi a pris Bravo. J'ai un drone. On sécurise Charlie. Charlie sécurisé. Ok, je suis un peu dans la merde là. Ah bordel. Je sais pas du tout j'ai quoi comme comme kill streak ou score streak, parce que 400 kills ça va être un peu chaud. Ok, on va changer d'arme. On va essayer la KF5. Ah, prochain déclencheur. J'espère que je vais pas mourir comme ça non plus. Ok, je crois qu'il était derrière moi, je sais pas, mais. Ça c'est assez chaud. En plus, ça lag un peu. What the fuck, on dirait un mini fusil à pompe quoi. Pleine tête. Ok, en plus je tire un peu n'importe comment. Okay, on va essayer de la jouer stratégique. Ok. Ouah, c'est impressionnant quand il se rattrape là. Ok. Wow. Merde. Ah, j'ai pas essayé le petit point. Ok. Ça a l'air nul à chier. Clairement. On va perdre Bravo. Oh, en fait là j'ai même pas été prendre un seul point. Police stratégique en approche. Ah bordel, j'ai quand même réussi à tuer un mec à la mitraille. Je croyais que c'était la grenade qui avait touché. Oh. Mais ils sont partout les mecs. Donc en tout cas ils l'ont dit aujourd'hui. Ils se jouent sur PS4, ils l'ont en 1080p. Ah bordel. J'ai cru que c'était un flingue automatique, je sais pas, j'ai tiré quasiment en continu. Après, je me suis dit, ah maintenant c'est pas automatique. Donc il est en 1080p sur PS4 en constant presque. Oh la vache! Bravo sécurisé. Notre drone est activé. Je sais pas. L'ennemi s'empare de B. What? L'ennemi s'empare de Bravo. On a perdu Bravo. Merde, putain. L'ennemi a pris Bravo. What? Comment il a fait ça lui? On sécurise C. Pas du tout comment il a fait ça mais. Drone ennemi activé. Boum. Il m'a même pas vu. Mais lui là-bas au fond il m'a vu. Je voulais changer d'arme. Bon, on va refaire une partie. Et je vais changer d'arme à la prochaine partie. J'ai essayé le sniper, bon déjà qu'à la mitraille c'est pas fameux. Bah. J'ai pas réussi à me faire tuer. Vous n'aviez pas le droit à l'erreur. En tout cas ça fait défoncer. J'ai même pas été sur un seul point, enfin j'ai été sur un point mais je me suis fait défoncer. Ouais, c'est lui son arme. Je sais pas si c'est un camouflage ou si c'est l'arme comme ça mais. Non balle 27, je crois que je l'ai le balle 27. Je crois que c'est mon arme de base. Ping, genre il y a un ping. En tout cas là pour le moment il a l'air plutôt pas mal. Enfin je disais ça aussi avec Call of Duty Ghost avant qu'il sorte à Noël. Enfin
enfin avant Noël. En plus, il y a des sons qui sortent de la manette. C'est, ça fait limite peur. Avant qu'il sorte à Noël, oui, je disais que Ghost était génial. Et après, j'ai fait non, pas du tout. En fait, c'est la je crois que c'est la. En fait, le jeu est génial. Enfin, les jeux sont géniaux. Les Call of Duty, sauf le Ghost, franchement, il a vraiment été raté. Mais j'étais pas monté grade 5. En tout cas, je crois que tout le monde a le truc vert. Ah non, lui, il a mis le truc en or. Lui, il a mis le truc vert. Et on a dit qu'on allait essayer ça. Ouais, en fait, je crois que c'est la communauté. Rafale de 3 coups. Ouais, c'est un espèce de fal. Donc, il y a pas mal d'armes. Comme vous pouvez voir, il y a 4 snipers, 3 fusils à pompe. Fusils à pompe, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Le bulldog. Par contre, il y a un. Il y a. Ouais, arme lourde. Ouais. On dirait un lance-flamme. Et par contre, il y a un pistolet tout à l'heure. J'ai vu, je me suis dit, what? On dirait. C'est celui-là. Regardez la gueule qu'il a, quoi. Il est grave stylé. Exosquelette, surcansage. Ouais, bah bénéficier d'une accélération temporaire. Bah, je l'ai pas vu du tout, l'accélération. Oh, augmente tempérament votre santé. Ouais, bah, j'ai mis que sur une classe. Et sur la classe que je ne joue pas, je crois. Retreat, nouvelle map. J'ai pas vu beaucoup de gameplay dessus, par contre. J'ai vu une vidéo hier d'un mec. Et il disait qu'il était plus, enfin il disait qu'il était plutôt pas mal. J'ai trouvé plutôt, je trouvais beau. Franchement oui, il est beau. Hein. Et en plus ils ont même intérêt de le faire bien, parce que ça fait un peu 3 ans qu'ils le font. Ok, je vise hyper lentement. Ok, on va vite changer le sniper. Ok, c'est quoi cette arme? Wouah! C'est génial! Où est l'ennemi? Ok. Ok, il t'a allongé là-bas, telle une pute. What? C'est quoi ce gros truc? Pourquoi il a écrit en gros son pseudo? Enculé. C'est nul à chier. Je vais reprendre le AK-12, je vais voir si. Bah, si je vais mieux gérer. On sécurise Alpha. Sécurisé. L'ennemi s'empare de Charlie. Okay. Pourquoi c'est écrit en gros son pseudo là? C'est un bug ou c'est quoi? On a perdu Charlie. L'ennemi a pris Charlie. On a pris le contrôle. Ok, on va prendre l'échelle. L'ennemi s'empare de B. Colis stratégique ennemi en approche. Bonjour. Mon ennemi activé. On a perdu B. L'ennemi a pris B. Ok, lui il est mort là-bas. Je peux pas sauter sur toi là. Non. C'est pas possible. On sécurise B. Drone d'assaut ennemi en approche. Ah putain, il était en haut l'enfoiré. Charlie sécurisé. Ok, concentration, concentration, concentration. En tout cas, j'ai vu une vidéo sur un mode zombie. Mais certains disent que. Enfin, sur le site de jeux vidéo, ils disent que. Ok, je me barre. On a pris l'avantage. Que c'est un DLC. Ok! Que c'est un DLC. Et bah non! Ah, y'a un autre mec! Je sais pas où s'il était, mais j'ai vu un point rouge qui volait. Donc il y avait un mec. C'est pas un mec là? Ah si, mais il est mort. On sécurise, bravo. Ah putain. Oh, j'ai plus de balles! Donne-moi des balles! Oh, on va essayer ça. Ça a l'air pas mal. Oh, j'ai un drone. Non! Putain! J'avais pas le temps d'activer mon drone. Notre drone est activé. Ah, voilà. Hop, headshot. Motherfucker. Ok, on va essayer de jouer un peu l'objectif. Ok, d'accord, je regardais ma map. Pour voir où étaient les objectifs.
Oui, donc on va essayer de jouer objectif un peu quand même. On sécurise A. Ennemi en mouvement. Et... Ah merde. Tu as dit combien? 7-7. C'est plutôt dégueulasse quand même. On va perdre Bravo. Mais bon, c'est un peu la reprise. On a perdu B. Ah ah, tu m'as pas vu toi. On sécurise B. Ok, je crois qu'il est mort. J'en ai un autre là-bas qui arrive. On a perdu Charlie. Charge pas. Lancement du colis stratégique. Drone allié au-dessus. L'ennemi a pris Charlie. You. On va perdre B. Cible ennemie. On a perdu Bravo. Ok. Prends. T'arrives, bordel. Je comprenais plus rien. Bon, on va laisser. On va lancer une grenade. Continue à tirer. On sécurise C. Ok, j'aurais dû garder mon bouclier. Drone de reconnaissance ennemie en approche. Il y a pas un truc genre un jetpack. L'ennemi a pris Bravo. Bordel. C'est sécurisé. En fait, faudrait genre sortir le bouclier. Sortir le bouclier devant sa gueule. Comme ça, il fait ah non, il a un bouclier. Après, genre, il recharge. Genre, s'il va garder son bouclier. Alors pareil. Je sais pas s'il y a des lags ou quoi mais... Bordel, il m'a arraché avec son pompe. Ok. Je me fais clairement défoncer. Je faisais un assez beau truc au début là. On les glissades qui fait. On a perdu B. Mi-temps. Mi-temps. Ok, j'ai cru que le jeu il avait frisé, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. À mi-temps, on va. Ok, on peut pas changer. On peut même pas faire pause. Oh putain, c'est moi la kill cam, merde. Putain, fais chier. Culé. Oh y'a. J'ai un cadavre qui tombe. Ah, regardez-moi. Je suis mort. Domination. Ok, on va. On va essayer le pompe. On va voir. Putain, oh lolo. Capturez et défendez les drapeaux. Drone ennemi au-dessus. On sécurise A. Meneur de jeu. Ennemi a pris Charlie. Colis stratégique ennemi en approche. On a pris le contrôle. What the fuck? Drone ennemi au-dessus. C'est pas moi! Oh l'enfoiré. Vas-y, roule. Merde, non. Jure. Bon, on va essayer encore un kill. Si ça ne marche pas au fusil à pompe. Oh là là, c'est quoi ce truc de ouf? J'ai postillonné sur mon clavier. Notre drone est activé. On sécurise C. Ok, va te faire foutre. On va reprendre le KF5, je crois. Ok, en fait, il est dégueulasse. J'arrive. Merde, on a plus le besoin de moi en fait. Oh, y'a un truc rouge, je crois, y'a le truc rouge autour. L'ennemi s'empare de B. On a perdu Alpha. On a perdu A. Drone allié au-dessus. Ouah, j'ai eu. J'ai sauvé, lui j'ai sauvé celui qui était parti là. On sécurise A. Ok, il va me faire défoncer dans 3, 2, 1. On va perdre B. Drone en attente. A sécurisé. Drone allié au-dessus. On a perdu B. Il est où? L'ennemi a pris Bravo. Non, putain, j'ai vu 4 mecs là. J'ai paniqué en... Par contre, les balles là, ils partent super vite. Tiens de couverture. On sécurise B.
L'ennemi s'empare d'un. Il y avait encore un autre mec. Désactivation du camouflage du Warbird. Assistance au Warbird demandée. On a perdu Alpha. Ça c'est génial ça par contre. Eh mais c'est un ennemi ça. Merde, je me suis dit merde. Putain. On va gagner. Je me suis dit merde, le jeu il m'emmerde quoi. Okay. Oh putain, je me suis fait arracher. Pour le moment il est plutôt plaisant en tout cas. Je suis pas hyper fan de cette arme mais elle est... Elle est naze, elle est naze, elle est clairement naze. On va perdre Charlie. En même temps les premières armes elles sont pas toujours super. On sécurise B. Drone ennemi activé. Ok, j'ai même pas réussi à monter on sur le. B. On sécurise, bravo. Putain. Ok, en tout cas on gagne. Dans la piscine. Okay. Merci monsieur de m'avoir aidé. Monsieur l'ordinateur. Oh la vache. Non mais le fusil à pompe il est méga violent. Ok, j'aurais dû m'occuper de l'autre. Oh là, m'occuper de l'autre d'abord. Monsieur le deuxième m'a arraché. J'ai du combien? Du 19-22, c'est dégueulasse. Ok, je vais en profiter pour jouer ce soir pour monter le niveau. Oh putain. Banzai. Ok. Salut, je suis top. Dans le balcon. Putain mais le jeu genre il dit ouais, le mec il est là quoi. Le mec il dirait... Le mec il est caché derrière le mur, il dirait il est derrière le mur. Il serait bugué sous la map, il dirait il est sous la map. Ok. Tu es tous les joueurs de l'équipe et minimum 4 fois, je sais pas quoi. Ok, ça servait à rien d'aller là, j'ai perdu du temps. Et c'est la victoire. Voilà, je crois que j'ai fait 3 défaites. Donc, 2 défaites plutôt, donc fallait partir quand même sur une victoire. Oh putain, non mais les trucs de joueurs là, ils sont grave classe. C'est quoi ce long de ouf là? On lui en feu quoi. Bon, c'est pas moi qui ai fait la killcam, mais c'est plutôt pas mal. Donc j'espère... Oh, 0 heure, carrément une partie peut durer 1 heure. En tout cas, le Custy Ace, il a une co de merde, clairement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore Call of Duty Advanced Warfare, je peux pas encore vous donner plus de précisions sur le jeu. Parce que... je ne me suis pas encore fait mon propre avis. Et la manette fait masse de bruit, donc je vais mettre mon doigt sur le truc. Et j'ai gagné plein de trucs, voilà. Je ne veux pas vraiment vous donner mon avis, vu que ça fait même pas 30 minutes que je joue, à peine. Donc, ok, j'ai déjà merde, ils vont pas disparaître les mecs. Je peux pas donner vraiment d'avis. Faudrait avoir genre joué 4-5 heures ou tout seul ou avec des potes. Voir si le jeu est plutôt pas mal ou après Noël, voir si le jeu se dégrade. Parce que c'est souvent après Noël que le jeu se dégrade. Vu que tous les parents achètent le jeu à leurs enfants de 12 ans. C'est dégradant quoi. Par rapport aux joueurs fair play. Qui ne campent pas, qui n'utilisent pas de cheat. Par exemple les FMG9 je crois, Akimbo de MW3 si je me trompe pas. Qui étaient cheatés, que tout le monde les utilisait. Ça, ça devait sûrement être les cheaters ou les gamins de 12 ans. Donc voilà. Donc j'espère que la communauté ne va pas se dégrader. J'espère qu'ils vont tout faire pour qu'elle ne se dégrade pas. Vu que ça a l'air quand même d'être assez bon jeu. En tout cas, graphiquement, il est très très beau. Pour jouer, bah, ça change. Enfin, ça ressemble quand même un peu à du Titanfall, faut l'avouer. Malgré que je n'y ai pas joué, ça se voit quand même. Que ça soit par rapport au double saut, bon pour le moment il n'y a pas de jetpack, je sais pas s'il y aura un jetpack plus tard, mais en tout cas bah pour le moment moi ça me plaît déjà. Titanfall me plaisait, bon j'ai pas pu y jouer, et puis sur PC hors de question, déjà que je suis une bite sur PC, alors voilà, en plus j'ai pas de manette Xbox filaire, enfin bref, en plus la manette de PS4 normalement je crois qu'elle devait être
compatible PC, mais je vois pas de jeu PC avec manette de PS4. Enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous êtes fait un avis grâce à cette vidéo ou que ça vous aura aidé à l'acheter ou quelque chose dans le genre, voilà. Ou si vous avez juste envie de voir des maps que vous ne connaissez pas, voilà. Donc, bah moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez toujours suivre mes let's play. Donc là on est sur Borderlands et bientôt Infamous First Light, que je vais commencer très bientôt. Et par contre pour Evil Within, je ne sais pas si je vais continuer vu que je vais avoir plusieurs soucis pour enregistrer et pour filmer ma tête en facecam. Donc j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo sûrement, même parce que là on se quitte, voilà. Donc bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut tout le monde.